Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 3 juillet. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle. En effet, un robot va pour la première fois jouer dans un film. Avant qu'on commence, n'hésite pas à t'abonner, à partager la vidéo et à la liker. On dit souvent que la réalité rattrape la fiction et à mon sens, avec cette information, c'est le cas. Erika, un robot intelligence artificielle, a décroché le rôle principal dans un film. C'est la première fois que ça arrive. La vedette d'un long métrage sera un véritable robot humanoïde avec en son sein une intelligence artificielle. Donc pour rappel, c'est-à-dire que c'est une machine qui peut simuler l'intelligence grâce aux joies de l'informatique. Dans ce film de science-fiction qui s'appelle B, elle jouera son propre rôle. Jusqu'à maintenant, les robots humanoïdes étaient joués par des acteurs moyennant des effets spéciaux et du talent, surtout pour imiter le regard vide bien connu des robots, comme dans Real Humans ou Westworld. Ce film de science-fiction aura un budget de 70 millions de dollars. Il raconte les aventures d'un scientifique qui a découvert les dangers d'un code conçu pour améliorer l'ADN humain. Il aide Erika, le robot humanoïde doté d'une IA qu'il a lui-même créée, à s'échapper. L'histoire est proche d'Ex Machina, un film sorti en 2015 dont le robot était incarné par la véritable actrice suédoise Alicia Vikander. Le producteur de B, Sam Cause, a expliqué que faire jouer une IA n'était pas aussi simple que ça en avait l'air. En effet, les acteurs humains utilisent leurs expériences de vie pour jouer un rôle. Là, évidemment, l'IA n'en a pas. Il faut donc partir de zéro. Le robot Erika a été imaginé par le célèbre roboticien Hiroshi Ishiguro et son collaborateur Koe Ogawa, et elle a été conçue pour présenter à l'origine le journal TV au Japon. C'est comme une autre vie pour elle donc de jouer dans un film. Mais ses progrès, si je peux dire ça comme ça, ont été énormes en un minimum de temps. Il faut se rendre compte qu'il y a 2 ans, Erika ne savait pas faire de mouvements et ses expressions corporelles n'étaient plus que rudimentaires. Le robot ressemble à une jeune femme dont le visage en silicone est animé par des dizaines de moteurs pneumatiques pour pouvoir exprimer des émotions. Mais elle peut parler aussi, réciter des textes et aussi répondre aux questions de plusieurs interlocuteurs. Et en temps normal, elle a une apparence neutre pour qu'il soit plus facile d'interagir avec elle. Pour lui apprendre à jouer dans ce film, il a fallu beaucoup d'entraînement, notamment pour contrôler la vitesse de ses mouvements, ce qui lui a permis de développer une dizaine d'émotions au travers de son langage corporel en discutant avec des scientifiques. Ils ont pu parler de ses sentiments et encadrer le développement du personnage, mais pour le moment, l'IA est loin d'être au point, mais ça n'inquiète pas la production. Petit à petit, l'intelligence artificielle progresse sur son jeu d'actrice, mais il est clair que le robot ne pourra pas tout jouer et la production cherche toujours une véritable actrice pour remplacer Erika dans certaines scènes. Pour le moment, seulement quelques scènes avec le robot auraient déjà été tournées au Japon l'an dernier, le reste des tournages seraient programmés pour 2021 en Europe. Voilà, tu en sais plus sur ce robot IA actrice, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as hâte d'aller voir ce film au cinéma ou si au contraire pas du tout. On se retrouve dès demain pour un prochain podcast. À très bientôt. Salut.